Hey, salutations à toi aventurier d'Overwatch et bienvenue sur les placements de la saison 8 avec Payette, le tout nouveau compte avec lequel nous avions pop 3065 la saison précédente, la toute première saison sur ce compte. Cette fois-ci on essayera de faire mieux, je l'espère. Allez, c'est parti pour les games. Et petite nouveauté, j'ai testé les voix en anglais. Je suis pas super fan, je pense que je vais les remettre en français prochainement. Bref, ça c'était pour la petite info. Allez, tcho les gens. Ah oui, alors petite précision également, j'ai changé d'orientation mon PC dans mon appartement, ce qui fait que ça résonne peut-être un peu plus. Bref, on va voir ce que ça donne. Ah, ouh, putain, il y a du monde. Ouh là là, vite. La ange, elle se fait de violer direct, ça c'est trop bon. Ah oui, puis autre information aussi, quand je joue en solo comme ça, je parle pas beaucoup, je suis concentré, donc du coup je vais faire des efforts. Mais il y aura quand même des coupes. Allez, tiens, toi, bouffe ta race. On va pas trop overextend, on va juste lancer quelques boulettes au cas où. Ouh, putain. Le piège, ça c'est toujours bien. J'amène quand je vois des jeunes crates qui n'ont jamais les pièges. Si tu sais pas où le poser ton piège, tu le poses, tu t'en fous. Il y aura peut-être quelqu'un qui se le prendra. Bon, bah là il s'est fait détruire, mais c'est pas très grave. Ceci n'est pas légal. Je porte plainte à l'ONU pour one shot abusif. Alors, je suis en solo en vocal parce que la ange avec qui je suis groupé, c'est une ange rencontrée lors des placements de la saison dernière et qui se débrouille plutôt pas mal, donc c'est plutôt sympathique, mais elle ne vocale pas. D'ailleurs, je dis elle, mais si ça se trouve, c'est même pas une meuf. Et là, elle était connectée pour les placements, elle m'a proposé, j'ai dit ok, on peut en faire une ou deux. Oh putain. Donc là, on va tenter le pneu, allez. Au moins 3 kills, ça serait bien. 2, 3, ok, 3, ça c'est cool. Yeah, maintenant la suite, mes amis, 3 kills, ça c'est bien, c'est la moitié d'une team. Putain, mais crève, nom de Dieu. Fiu, 40 PV, mon 43. Allez, le petit soin, on va poser un piège, je pense, ouais, ici. Parce qu'à mon avis, elle va vouloir revenir ici, c'est un bon spot pour Widow. On a repris la gold killed, enfin, on l'a repris. On l'a pris. Et putain, le graviton qui est quand même... Bon, ça va. J'aime pas quand les gravitons, je suis pas à côté. Parce que un jeune crate ulti ou pas, tu fais super mal dedans. Et c'est dommage de s'en priver. Ok, le singe est en ulti. Est-ce qu'il va tomber? Non, putain. Je tente toujours de mettre un piège quand le singe est en ulti au cas où il tombe dedans. Bon. Et bah, la Widow, c'est un petit peu vengé. C'est pas très grave. Et c'est le reste, mes amis. Merci, merci. Alors, merci, merci et merci, ange. Ouh, putain. Alors les Genji c'est voilà la hanche hein. Il se passe trop de choses, j'arrive plus à suivre, oh putain. Allez, on tente. Ok, bon, c'est mieux que rien, on est à 94%, 94%, le temps qu'ils reviennent, ils seront des pas, ils seront ouf. Alors ça c'est mon petit plaisir quotidien, les Genji qui font l'uriti, qui sautent à pied joint dedans. Allez, c'est skill, ça c'est cool, c'est bon. Premier bon match, je suis très heureux. Allez, on reste concentré pour la seconde manche. Voilà, on a bien réussi à détruire. Le truc qui sert à rien. Péter les décors, je crois que même après un an et demi de jeu, on ne s'en lassera jamais. Bon, allez, on va voir ce qui se passe par là de ce côté. Ouh, bonjour. Bah non. Elle est pas amicale, reviens ici, je veux te faire des bisous, j'ai des cadeaux magiques, ça fait boum boum dans ton cœur. Tiens, toi, je vais te faire boum boum dans le cul. Ouah. Allez, merci. Ah, il faut être top 500 fatal pour les tuer apparemment, normalement, d'après certains. Bon allez, oh, ah, ça m'énerve de laisser des cibles avec 20 PV. Bon bref, enfin je dis 20, mais j'ai pas été regardé, mais c'était très proche de ça. Allez, Dodu, on a piégé quelqu'un. Non, ça n'ira pas. Ok, bon allez, on va y retourner. On va pas se laisser marcher sur les pieds. Putain, ils viennent jusque vers le spawn. Oh là, bon, on leur a pas tué, on leur a montré c'est quoi le chemin du retour. Bon, par contre, la tresseur, ça s'est fait. Oh putain, le. Ah. Et en plus, même quand elle vole, j'arrive à la tuer. Non, mais vous avez vu ça? Je devrais jouer Fatal et top 500 Widow. Oh, un petit cadeau gratuit. Bonjour, au revoir. Merci, Anna. Je ne doute pas que tu aurais pu faire toute seule, mais bon. On a eu du. Bon. On a eu une moitié de cul. Mais là où on a du cul, c'est qu'on se fait raise. Et ça, c'est beau. Bon, on voit rien, mais on s'en fout, on est chacal. On peut toujours faire un kill. Bon, là, on a vu qu'il y avait quelqu'un, hein. Bon, ça marche pas à tous les coups, la mine au pif, hein. Allez. Vous ne passerez plus ce pont, je ne suis pas d'accord. Non, ils sont dans un graviton, putain, on va tous crever. Survival V, ça veut rien dire, mais on s'en fout de du retour à l'expéditeur, gros colis, je veux pas de toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous ne passerez pas ce pont. Il m'appartient et mon dodu met tout son corps pour vous empêcher de passer. Allez, bouffez ça. Bonjour, bonjour. Ah, là, 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 là.
C'est pas où aller. Bon, allez, sur moi on peut avoir une île. Ben voilà. Plus de île pour mes petits amis d'en face, c'est triste. Oh putain, il lâche tout. Oh, il lâche tout, c'est le fight du... C'est le fight de la fin, ça. Tiens, 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 tu vas crever, salope. Ah, eh oui, je t'ai eu. Bisous, bisous. Oh, ce rire chacal, j'adore. Regardez ça, c'est trop fun. Bon, elle est où? Ah. Ça fait deux fois de suite. Yeah. Et voilà les amis, c'est ainsi que se termine le premier match de placement sur paillettes en Junkrat. Je vais pas les montrer les 10, rassurez-vous. Je montrerai celles qui sont sympas, qui sont funny, peut-être même celles où on se fait rouler dessus. Hein. La dernière fois, c'est ce que j'ai fait aussi, j'en ai mis une, on s'est fait rouler dessus littéralement. J'espère que tu as apprécié, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications pour bien ne pas manquer, ça ne veut rien dire, pour ne pas manquer la suite des aventures de paillettes sur ces placements saison 8. Tu peux lâcher un petit commentaire, un petit pouce positif, ça fait toujours plaisir, ça mange pas de pain. Et moi je vous dis ciao les gars, à bientôt.